Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sans plus attendre, je vous présente Until Dawn sur PlayStation 4. Si en plus il y a déjà quelque chose qui arrive après que j'ai fait pause. Donc voilà, je me suis arrêté en plein milieu du jeu car je pense qu'il va se passer 2-3 petites choses, à savoir que le tueur est en réalité derrière moi. Mais bon, on va déjà planter le décor. Tout d'abord, parlons du B.A.B.A., édité par Supermassive Games, développé par Sony, sorti officiel le 26 août 2015, moyenne de 16 sur 20. Un jeu avec des graphismes assez sympathiques. Voilà, donc on incarne... J'essaie d'écouter en même temps les dialogues, de toute façon je vais vous laisser profiter, c'est surtout un jeu narratif. C'est un système de QTE comme à la Heavy Rain en fait, où est-ce que les actions que nous allons faire va déterminer les prochaines séances du jeu. Avec forcément plusieurs fins alternatives, nous incarnons 8 personnages au total qui sont dans un chalet pour des vacances. Deux sœurs jumelles se sont fait tuer, ils reviennent un an après. Tu vas bien ? Oui. Pour en gros faire un petit... pour un petit peu leur rendre hommage, en fait faire une espèce de veillée. C'est plutôt sympathique. Non, après voilà, beaucoup de choses arrivent, version un petit peu screamer, la bande de son étant géniale, ça joue énormément sur le mental en fait. Vous n'incarnerez pas que les 8 personnages. J'ai trouvé un indice. Cet endroit est une vieille urine à retaper. Ouais bon, en gros peu importe où est-ce que je vais passer, je vais forcément casser la gueule. À la base, voilà, ces deux voulaient aller dans un petit chalet juste à côté pour faire ce que deux jeunes font quand ça se passe au chalet, bien entendu. Et apparemment, bon, ben, on a fait un petit détour, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est un chalet, il faut passer forcément par une mine. Et puis merde, pourquoi il y a une mine à côté d'un grand chalet en montagne, bordel ? Ah, on a pu sortir, enfin. Il y a de la lumière là-bas. Ça me laisse sans voix en fait, je profite surtout du jeu parce que je regarde tout autour de moi en fait pour voir s'il n'y a pas l'ennemi. D'ailleurs je m'en mange carrément la rambarde à côté. Le jeu vous proposera alors de jouer avec des séances de QTE et notamment aussi en utilisant la 6 axis de la DualShock 4, donc du coup la reconnaissance de mouvement, où est-ce qu'il ne faut des fois absolument pas bouger la manette. Je vous dis, vous êtes tellement pris dans le jeu que vous bloquez la respiration pour ne pas bouger. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Quoi, tu veux grimper sur mon palmier ? Ok, ok, garde-en pour plus. Oh, prétentieux. Léger petit point négatif que j'ai pu trouver quand même au niveau de la voix. Au niveau de la voix. Des fois il parle et le doublage est mal superposé, donc il parle sans qu'il y ait la voix qui sorte en fait de la bouche. On a vu quelqu'un dans la cabane. Oh, ça pue le screamer. Ça pue le screamer. Bordel. Ok. Le tueur était censé être derrière moi. Enfin, on peut se poser plein d'histoires. Bon, ça, ce sont apparemment les trois animaux que l'on est susceptible de rencontrer. C'est génial. Du coup... Oui, ben oui. On va faire un câlin à un ours, vas-y, vas-y. Je suis désolé de ne pas pouvoir commenter en même temps, c'est que le scénar doit être vraiment suivi avec attention, et comme c'est un direct, j'essaie de suivre en même temps que vous. Donc comme vous pouvez le voir quand même, assez immersif, vu les graphismes. Et bon, après, le tueur étant censé être derrière moi, enfin, on peut se poser des questions, est-ce que l'un des 8 est en fait le tueur? Parce qu'après, vous ne suivez pas aussi que cette histoire dans le chalet, vous incarnez une personne inconnue encore à ce jour, enfin pour ceux qui l'ont fini doivent sûrement le savoir. C'est à eux. Oh putain. Bon, au moins on a reconnu l'une des trois bestioles. Non, vas-y. Drôle. Ouais. Bon, on va faire le gars qui s'assure un peu. Je joue le jeu, c'est la saison des tambours. Ah, coquin. Ouais, je suis comme ça, j'aime donner.
J'ai eu peur. Bon, du coup, mise à jour du statut, ce qui veut dire que voilà, si j'avais dit autre chose, peut-être quelque chose allait se passer. Vous pouvez le voir, le jeu vous envoie des messages en montrant des papillons blancs s'envolant sur votre écran partant d'en haut à gauche, qui veut dire que vous avez évité une catastrophe si vous n'aviez pas choisi en fait cet autre choix. Voilà, j'espère faire des choix qui vont m'amener à éviter une catastrophe pour que vous puissiez voir la fine animation qui permet du coup d'éviter le drame. Bon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin avant de nous envoyer jusqu'ici. Vraiment? Quoi? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. Mais vas-y, escalade. De te la raconter. Ah, ouh, fimeuse. Hey, Mike, je crois que t'as quelque chose sur la figure. Ah. Boum! N'empêche, j'aimais bien des headshots, hein. Mais non, Si c'est ça que tu veux, voilà. Mais voilà, c'était sûr. Un classique des films d'horreur. Te retourne pas, mec. Vous êtes deux. Yes. Ok. Première impression, le tueur, sûrement. Ah, la fameuse scène du bain. Quoi? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît? En fait, j'entrais justement dans mon bain. Surtout, n'hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle. Donc la fameuse scène du bain qu'on a vue dans beaucoup de nombreuses vidéos tests. Vrai. J'espère que ce n'est pas ce moment-là. J'aimerais pas vous faire en fait découvrir. Tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Non, elle prend pas son bain. Apparemment parce qu'il n'y a pas d'eau chaude du coup. Ce qui veut dire que. Je vais pas forcément montrer quelque chose qui sera dans les vidéos. J'aimerais faire un petit peu d'exclusivité. À savoir que le tueur n'est pas souvent là, contrairement à ce que pourraient vous faire croire les vidéos. Vous allez vraiment plus interagir avec le scénario du jeu plutôt que de fuir constamment. Le jeu est parsemé d'indices qui vous permettront de faire un lien entre tous les personnages et l'histoire qui s'adresse à vous, car je pense bel et bien que le jeu s'adresse à nous à certains moments. Donc voilà, appuyez sur R2 et ensuite on peut bouger le joystick pour voir l'avant et l'arrière de l'objet que l'on maintient. Ça peut être une carte ou aussi par exemple des totems. Vous aurez des totems à récupérer, 5 totems au total de couleurs différentes, noir, jaune, marron et rouge et blanc. Le noir représentant la mort, donc du coup c'est un flashback qui va vous venir avec la mort d'un personnage qui est imminente. Jaune, c'est un conseil, un choix à faire plutôt pour pas perdre quelqu'un. Marron, c'est la perte d'un ami avec le choc que vous aurez fait. Rouge, c'est le danger, donc danger à venir. Et le blanc, c'est une chance, donc une chance qui se présente à nous pour éviter le drame. Oh merde, oh putain. Waouh, oh. Alors ça, là je m'y attendais pas du tout. Ça c'est ça en fait, autant il y a très peu de films d'horreur en fait, d'ailleurs même aucun qui ne me fait peur, mais ça c'est ultra malsain ce que je viens de voir. La photo en fait, vous n'incarnez pas que les 8 personnages comme je vous ai dit, vous allez incarner une autre personne qui n'est pas connue, qui parle à un psychologue, et à un moment le psy vous montre justement cette photo, il vous pose des questions par rapport à cette photo. Est-ce qu'elle vous rend mal à l'aise? Pourquoi? Ben, parce que l'épouvantail a un crochet à la main, a une tête absolument diabolique et tout. Comment ça se fait que ce psychiatre avait cette photo? Ce qui veut dire du coup que... Selon moi, là, par simple intuition, ce qui se passe avec le psychiatre, c'est bel et bien après tout cet événement. Oui, d'accord, ok, mais pourquoi pas. Oui, des masques sur le plafond, oui, vas-y. Moi, je parie sur les ouvertures pour tout le monde. Wow, en fait, c'est ultra malsain, en fait. Parce que je suis à peu près sûr. J'aimerais bien vous montrer une scène avec le... Ah oui, eux, ils veulent leur table de Ouija en bas, là. Ils en parlaient. Ça marche jamais, je te dis que si, mec. On le faisait tout le temps. Enfin, moi. Hey Josh, alors Josh, le gars d'à droite, c'est celui qui a perdu ses deux sœurs l'année passée. Il tenait à ce que tout le monde vienne pour faire une veillée. On pourrait notamment penser que c'est lui le tueur, mais bon, comme il était là et que le tueur m'a suivi quand je dirigeais l'autre couple avant, je le raye de la liste. Néanmoins, la petite idée que le tueur pourrait avoir un complice n'est pas... Ça a complètement éloigné. Si tu veux, bien. Tu le regretteras. Alors, ça te dit une balade? Eh bien, allons remettre l'eau chaude, bien entendu.
Vous pouvez appuyer sur la touche L1 pour faire marcher votre personnage plus rapidement. Si vous êtes perdu, la touche R1 vous montrera les objectifs à faire. R2 pour la prise d'objets, pour les interactions. Et les scènes de QTE, croix, carré, triangle ou rond. Eh, t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et H en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. C'est vrai qu'en plus ils ont le big game pour eux. Qu'est-ce que je vais mettre ? Ouais, flatteuse, ils sont tellement mignons. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... coup de pouce ? D'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, les... la bouche n'est vraiment pas très très bien coordonnée avec les dialogues. Néanmoins, si c'est la seule chose, bon, on ne pouvait pas non plus obtenir d'un jeu quelque chose de complètement parfait. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu pseudo-enquête slasher hein, comme ça. Je voulais seulement me dire que... Quoi ? T'es amoureux ? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année. Et puis, que... toi, tu sois là, Sam. Ouais. On va être confiante, hein ? Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe. Dommage, l'ami, t'es tombé dans la friendzone. On va tous surmonter ça, ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Au début du jeu, à chaque fois que l'on incarnait l'un des 8 personnages, on avait son nom et ses 3 caractères principaux. Genre généreux, confiant, manipulateur, comme ça on avait une idée sur la personnalité de la personne que l'on allait incarner, et c'est fait dans le jeu. Et on pouvait, notamment, le jeu pouvait du coup nous inciter, nous joueurs, à interagir différemment en fonction de la personne dont on le faisait. Moi je suis en train d'interagir comme si je vivais chacun de ces personnages, comme s'il ne s'agissait que de ma propre personne pour ces 8 personnages. Je ne donne pas de personnalité différente aux autres. Comme ça, c'est réellement la fin que je pense que j'aurais voulu avoir. Donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. File l'eau chaude, file. J'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Ouais, c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Je suis désolé de ne pas toujours commenter à chaque fois, mais bon, comme c'est un scénar qui se suit... Ah, mais c'est une batte, en fait, ouais. Voilà, j'essaie de vous faire découvrir le jeu en même temps. Comique. Non, sérieuse. Ouais. C'est à toi, ce machin ? Qu'est-ce que ça fait, là ? C'est la tienne ? Ouais, avant je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Alors, le son derrière qui vient d'arriver, ça veut dire que j'ai enclenché un événement. Trop occupé pour passer du temps avec moi. J'aurais peut-être pas dû faire ça, c'était peut-être le mauvais choix. Bon, allez, ah non, c'est bon. Il y a eu les papillons blancs. Donc du coup, on a évité en déplaçant la batte. S'il faut, ben, ça veut dire que ben, ouais, ben, le tueur est à côté. Le tueur est à côté, il se serait emparé de la batte sûrement. Merde, ça c'est violent. Tiens, tu peux tenir ça ? Alors, oui, on va te tenir là. C'était quoi ? De quoi tu parles ? Éclaire par ici que je puisse voir ce que je fais. Il y a du bruit. La batte est au bout. Putain, elle va disparaître la batte, c'est sûr. C'est sûr et certain. Oula. J'essaie de pas bouger au max. C'est limite si le jeu me force à bloquer ma respiration pour pas que je bouge. Joli. Putain, même les battements cardiaques qui s'abusent là. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Eh mais vas-y Indiana Jones, monte-la la pression en fait, d'eau. C'est hyper simple. Et la batte, elle y est plus. Elle y est plus, elle est plus à gauche. Vous avez vu en même temps ? Allez, le joystick droit. R2. Oh, vous l'avez vu à droite se déplacer dans la petite allée entre les caisses, juste à droite. Bien joué. Bon, putain, le tueur est là, quoi. J'y crois pas. Donc voilà, le jeu se base sur quelque chose qui s'appelle l'effet papillon. Tout événement qu'on fera changera du coup le cours de l'histoire. L'image nous était présentée avec les ailes d'un papillon et les nerfs qui parcouraient ses ailes. Et puis du coup on suivait les terminaisons nerveuses différentes qui faisaient du coup un chemin différent. Non, j'ai pas eu peur. Non, j'ai pas eu peur. Non, bien sûr. T'as seulement sauté pour faire quelques pas d'aérobic. Non, non.
J'ai pas eu peur, dégage. Arrête tes bêtises, ok? J'ai pas sauté du tout. J'ai juste dit, c'était quoi ça? Réaction tout à fait normale quand il y a un bruit super flippant dans un sous-sol super flippant. Mais, attends, t'as entendu comme moi, là? Wow. Josh. Quoi? Le rythme est... étrangement régulier. C'est... Non, non, c'est pas du tout régulier. Ouais, non, on va pas y aller seul. Oh. Peut-être qu'on devrait jeter un œil. Pourquoi? Je sais pas, et si c'était... Oh, il y a le cheval derrière. Le cheval de la bascule revient souvent dans les images, dans les flashbacks. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Je regarde même pas les joueurs, je regarde autour, moi. Est-ce qu'on peut revenir en arrière pour voir s'ils la battent? Oh, remarque, j'ai pas trop envie de m'avancer en fait. Alors, on va continuer. Avançons. Bordel. Ok. Eh ben il était là. Enfin, remarque, ça m'étonne un peu, il avait pas cette gueule là en fait. Il avait un haut plus clair, si je me rappelle bien. Oui, mais oui, oui, la porte fermée, bien entendu. Mais oui. Pourquoi c'est partout fermé? C'est seulement pour éloigner les intrus. Hey. Quoi? Ouais, ok, hey. Le canular. Mais c'est quoi? Vous êtes fait avoir. Quoi? bien joué, celle-là était bien. Pourquoi tu. T'as fait ça? Quoi? T'as laissé pour Ashley seul, toi, mon gars. Allez! J'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Et du coup, il a laissé l'autre meuf seule, là. Elle est où? Ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Pour vraiment être dans le bain, je vous conseille réellement de l'écouter avec un casque. Ah non, c'est bon, elle est là, Ashley. Ça va, elle va très bien. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord. Et t'as trouvé le... Oh putain, j'ai cru que c'était un bug. Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi? Non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok? Alors... Ah, et la scène du bain va commencer. Oh, bon, ça, je pense que je ferai pas la vidéo là-dessus. Non, ce qui me plairait bien, c'est vous montrer le cabinet du psychiatre. Eh ben voilà, en parlant. Waouh, mais pourquoi c'est barricadé comme ça? Oh, j'ai la main clouée, on dirait. Bon. Mais normalement, c'était tout clean, il y a les oiseaux qui chantent et tout. C'est quoi ce truc délabré? J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. Vous aussi, ça vous effraie? Je vais pas mettre oui sur le serpent, non. Non, ça me... non, la solitude, non. Donc, que pensez-vous des gens qui ont peur de ces choses? Je les plains, je les méprise. Oh, méprise, c'est peut-être un peu violent. Hein. Je vois Mike a peur non. De la solitude. Avez-vous pitié de lui? Alors Mike, c'était le gars que je dirigeais dehors dans la neige. Pitié, non. Non. Ah, alors ça veut dire qu'il le connaît du coup. Donc c'était un des 8. C'est ce qui ressort de vos choix. Ou encore un gars extérieur qui est arrivé à la fin. Ou est-ce que c'est lui le tueur? Est-ce que c'est le psychiatre le tueur? Le jeu va me retourner la tête avant la fin du... Enfin, avant la fin du scénar. Je le sens gros comme une maison. S'il faut, ça va être un truc complètement... Un truc fou comme nous qui sommes le tueur depuis le début et on le sait pas. Analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? La franchise... Non, la loyauté.
Tu peux être loyal, hein, de toute façon. Donc, loyal. Vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami, bien. Bah ouais. Et si je vous dis loyauté ou charité? Je fais pas la charité, moi. Non, loyauté. Vous préférez vous occuper de vos amis plutôt que des plus démunis. Plutôt que tes amis, plutôt que des démunis. Bah, je vais pas m'arrêter de donner des sous. La session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Et puis par rapport au jeu, je vois pas ce que les plus démunis font, enfin, à parler là-dedans. C'est horrible, ce précédemment. Donc à chaque fois, oui, qu'on passe la scène du psychiatre, on retrouve tout ce qui s'est passé pour nous faire revivre le jeu. Ah ben, ça c'est le tout début, quand les jumelles décèdent. Ça c'est forcément le tueur, je suppose. On l'a pas réellement c'est encore aujourd'hui vu. Aujourd'hui, le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Waouh, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum. L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé? Donc voilà, la cabane, j'étais en train d'y aller quand vous m'avez vu. T'as entendu? Bordel, qu'est-ce que tu portes? Si le tueur est dans la scène du bain... Oh, mais méfiez-vous de Josh. Elle a dû crier par rapport à un animal, je pense. Ouais. La copine, voilà. Jess a dû... Ouais, voilà. Elle a dû crier par rapport à un animal, je pense. Ça doit pas être le tueur. Chapitre 3. Ah, la scène du... La table de rouge. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va pas aller plus loin. Je tenais à vous faire découvrir, bah, du coup, l'ambiance du jeu plutôt que le côté slasher où est-ce qu'on doit fuir parce qu'on l'a vu dans plein de vidéos. Du coup, voilà, j'espère que tous ces choix, cette accumulation de phénomènes vous poussera à aller vers ce genre de jeu qui se rapproche plus à Heavy Rain parce que c'est un QTE qu'autre chose. Et du coup, voilà, j'espère que tout ça, ça vous a bien plu. Croyez-moi, ce jeu est assez prenant et on a vraiment envie de le terminer. Bon, ça se voit que c'est un jeu de Sony qui est vraiment orienté pour le scénar. Comme pareil pour The Order. Enfin bref, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !